Vous avez sûrement vu passer ce genre de vidéo. Lire un livre de 700 pages en 2 heures, ça fait près de 6 pages à la minute. Vous croyez que c'est possible? C'est ce qu'affirment les gens qui parlent sur les réseaux sociaux de la lecture rapide. Mais les têtes de proue de cette discipline vivent de la vente de formations de lecture rapide. Jusque-là classique, mais ça va plus loin. Ils sont relayés massivement dans tous les grands médias. Ça leur fait des super arguments d'autorité et de l'acquisition en masse. En fait, c'est une idée géniale qui est derrière. Ils organisent entre eux des championnats du monde, des événements auxquels ils participent, pour lesquels ils décident des participants, dans lesquels ils sont arbitres, et à la fin, ils sont champions du monde. Alors, on se dit que c'est de l'arnaque, c'est rien d'officiel. Mais en réalité, c'est quasiment pareil que les ligues de sport qu'on connaît tous. En NBA, quand les mecs gagnent le titre, ils déclarent qu'ils sont World Champion, champion du monde. Alors que c'est que des équipes des États-Unis et du Canada. Mais en vrai, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, parce que la NBA, c'est une entreprise privée. La FIFA, l'UEFA, on a tendance à les respecter d'office parce que ça sonne comme des organismes officiels. Mais c'est juste des entreprises qui vendent de la pub et des droits télé. Donc je voudrais pas avoir l'air d'applaudir l'entourloupe, mais ce qu'on réussit à faire cette clique de lecteurs rapides, c'est assez fort quand même. Un point pour l'originalité.